Frères et sœurs, bonjour. Messe d'action de grâce recommandée par Adler Roseau, Bianca Roseau, Honor Roseau, Kerlina Abelard, Eulalie Paul, Adler et Jordi Delcy, Josette François, Alfred Béralus et Tekka Entreprise de Service, Marie, Anne-Marie Désir, anniversaire de naissance, Archer Lebrun, Caroline Lachaud, anniversaire de naissance, Caroline Toussaint, Darmel Emmanuel Thomas, Didier Jeune, Didley Méline Jeune, Lise Saradja Jeune, Didley Jeune, Didier Jeune et Marie Guirlaine, Mergelus Jeune, Thierry Gustave, Docteur Jean-Claude Hippolyte et famille, Docteur Sébastien Christopher Souffrant et sa mère, Éléonore Gélin, Fabienne Eveya Adonis et famille, famille fortunée, Giorgio Victor Desmond, Flore Marie Mendes et famille, Gerta Louisin et famille, Jevenson et Fabiola, Gina Faro, Hermione Cantave et famille, Horacie Shirley et famille, Ingénieur Guerrier Jean-Marc et famille, Jacob Rode, Janvier Marie France et famille, Jean-Carmel Noël, Jean-André Josué, Jean-Jackson François. Messe de requiem pour Albertine Adrien, Augustina Théodore, Dulane Léné, Léon Lantimo, Marie Ultima Surpris Lantino, Germaine Surpris Beauvais, Mercedes Surpris, Carole Lantimo, les défunts des familles Brutus et Lantimo, Jacques Saint-Pierre, Louise Elia Gustave, Merci Dieu François, Rose Michaud, Fritz, Hakim, Samuel Béralus et les parents défunts de la famille Béralus. Messe d'action de grâce pour Geoffrey Séjour, Judith Santel et famille, Kathleen Paul, Maricia François Paul et famille, Yolaine Paul Lefruit, Leslie Seva et famille, Linda Saint-Jean, Jacinda Thermidor, Monsieur et Madame Dukens Orphée et enfants, Magali Alcinor, anniversaire de naissance, Marie-France et famille, Marie-Michna Gaspard et Christopher Bertrand, Anne Ashley Bertrand, Olivier Louis, Marie-Renée Brutus et famille, Marie-Ming Gardry Kindergarten, Marie-Denise Pierre, Marie-Edeline Telusma, Jalène et Jania Pierre-Louis, John Wesley Telusma, Marie-Josette Hippolyte Boutin et famille, Ali Hippolyte et Conrad John, Jocelyne Louis, Bernadette Hippolyte, Civilus Pavlov Hippolyte, René Innocent et Jasmine Dédé, Joseph Charles Dédé, Martin Max Wolf Dédé, Esther Dédé, Kerline Lermite François et famille, Betsaïda Zakarari, Gabriel, Samir et Seiji Dédé, Marie-Junior Coutrois et famille, Marlène Dubois, Marie-Laude François, Marlie José Desvarieux Poltre et famille, Martine Jean-Gilles, Marvin Rousseau, Ryan Rousseau, Maud Félix et famille, Médès Labranche, anniversaire de naissance, Musette Cassamajor, Jean Chassel et famille, Natacha Nicolas Cyril et famille, Marie-Judine Cyril, Nicole Doll, Nadège Laroche Cyril et famille, Nickenson Nata, Nika Nola Lamotte Toussaint et enfants, Paul Ossius et Paul Daina,
Révérend Père Eden Jean-Baptiste, famille Jean-Baptiste et Pierre-Louis, Witt Stéphanie Barthelmy, Schneider Jean, Sœur Chantermido, anniversaire de naissance, Sœur Altagrace Mathias, Solange Delva, Solange Marcellus, Jean-Thomas et Colonne Pierre, Camille Claire, Kelly Villain, Valérie Esther Calix, Wilson Pierre, Larry Eliska, Lisette Valcourt, Dienos Berto, anniversaire de naissance, Martine Désir, anniversaire de naissance, Médès Labranche, anniversaire de naissance. Bonne participation. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, grâce à Dieu, mains levées.
Nous venons dire, bon Dieu, merci pour le nouveau jour ça que nous avons. Nous venons remettre la journée. Nous venons dire merci pour la vie que nous avons. Nous venons confier la vie. Nous venons remettre tout ça, toute activité, tout projet. Nous avons demandé pour l'irriter avec nous, pour l'y accompagner nous, pour l'y inspirer nous, pour l'y aider nous. Fais ça qui bien pendant journée ça et pendant toute la vie nous. À nous louer que nous, frères et sœurs bien-aimés, pour nous accueillir grâce, bon Dieu, à bon nous, dans le commencement journée ça, pendant que nous apprenons à connaître nos ces péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Oh, pitié. Oh, Christ, prends pitié. Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 11 à 18. Dans l'ancienne alliance, les prêtres étaient debout dans le temple pour célébrer une liturgie quotidienne et pour offrir à plusieurs reprises les mêmes sacrifices qui n'ont jamais pu enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son sacrifice unique, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. C'est bien le témoignage que rend l'Esprit Saint dans l'Écriture, car après avoir dit « Voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec eux », quand ces jours-là seront passés, le Seigneur déclara, « Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les inscrirai dans leurs pensées, et je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. » Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour les péchés. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 109. «
Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur. Ensemble. Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marche-pied de ton trône. Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur. Et à présent, mettons-nous debout pour acclamer l'Évangile. Alléluia. En nos cœurs. Heureux qu'il la reçoit et la fait fructifier. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Marc, chapitre 4, du verset 1er au verset 20. Jésus se mit une fois de plus à enseigner au bord du lac. Et une foule très nombreuse se rassemble auprès de lui, si bien qu'il monte dans une barque où il s'assoit. Il était sur le lac, et toute la foule était au bord du lac, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, il est arrivé que du grain est tombé au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés sur la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant, et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ses compagnons ainsi que les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qui a donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous l'énigme des paraboles, afin que se réalise la prophétie. Ils pourront bien regarder de tous leurs yeux, mais ils ne verront pas. Ils pourront bien écouter de toutes leurs oreilles, mais ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore,
vous ne saisissez pas cette parabole. Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée, quand ils l'entendent, Satan survient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les hommes d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils tombent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, les séductions de la richesse et tous les autres désirs les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour 1. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, liturgie jeudi, hein? Présentez-nous la parabole du semeur. Son parabole que nous habitués tendez. Son parabole que nous connaissons. Mais une parabole qui est riche en leçons, qui est riche en enseignements. Et nous pas jamais fin puiser richesse que parabole a gagné, parole bon Dieu a gagné. Le semeur est sorti pour semer. Mission semeur-là, travail semeur-là, profession semeur-là, c'est semer. Les semer semences, les semer graines, tout partout, tout côté. Dans ronces, bon chemin, sous sol, sous roche et dans de bonnes terres. Nous voyons, semeur ça, il n'a pas choisi sous quel type de sol l'a semé graine, l'a semé semence là. Il voyait graine. Li voyez semence là sous tout sol, sous tout terrain, sous toute terre. Ce semeur, qui est-il? Semeur ça. Le semeur, cap s'y met tout partout, c'est Jésus. C'est Jésus qui annonce l'évangile. C'est Jésus qui prêche la parole de Dieu, qui prêche la bonne nouvelle. C'est Jésus qui annonce le message du salut à temps et à contre-temps. Si ce semeur-là, c'est Jésus, nous capables tout de suite comprendre que ce semence-là, grain, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est le message, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et sur la même terrain, Théa, ce sont les hommes.
c'est que nous. Jésus qui s'y met parole bon Dieu non que nous. Est-ce que Jésus lui choisit moun pour lui prêcher l'évangile là, pour lui annoncer parole là? Non. Souci Jésus, c'est pas choisi moun pour l'adresser parole là. Souci Jésus, c'est d'annoncer la parole. C'est de semer le grain, la semence de l'évangile. Partout, dans tous les cœurs. Et nous, ouais, dans l'évangile là, gagnez bonté, gagnez mauvaisité. Ça veut dire, tout le monde pas recevoir parole bon Dieu, même Jean. Tout le monde pas recevoir parole bon Dieu avec même disposition. Tout le monde pas fait bon accueil à parole bon Dieu. Tout le monde pas été fidèle, pas été attaché à parole bon Dieu. L'important pour nous chaque, pour nous garder la vie nous. Pour nous garder la vie nous, pour nous arriver à comprendre qui type de terre que nous y est, qui type de sol que nous y est. Comment nous accueillir parole bon Dieu? Est-ce que nous c'est l'homme ou la femme d'un moment qui accueille parole bon Dieu pour un petit temps? Ensuite, qui oubliait parole bon Dieu, qui mettait de côté parole bon Dieu. Est-ce que nous c'est sol pierreux? Nous tendons parole là. Et puis, épreuve, la vie, fait nous oublier parole là. Ou bien est-ce que nous c'est once, nous quitter plaisir monde là, étouffer parole là? Qui type de sol que nous y est? Dieu veut que nous soyons la bonne terre qui accueille la parole et laisse grandir, fructifier cette parole. Parole, mon Dieu, lui doit prendre racine dans la vie, non? Parole, mon Dieu, lui doit grandir dans la vie, non? Parole, mon Dieu, lui doit porter fruit dans la vie nous. En d'autres termes, nous-mêmes qui écoutons parole bon Dieu, hein, nous devons mener une vie qui conforme à la parole bon Dieu. Hein. Il ne suffit pas d'écouter, mais il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. C'est chance pour monde qui écoutait parole bon Dieu hein, et qui mettait parole bon Dieu en pratique, en application. Le grand chant qui dit c'est chance pour monde qui plantait dans le cœur parole bon Dieu hein, pour yo faire donner. C'est psaume premier. C'est chance pour monde qui plantait dans le cœur parole bon Dieu hein, pour yo faire donner. Donc, accueilli parole bon Dieu, frère Maxime. Quitte parole bon Dieu, pour tes fruits dans la vie nous. Pour nous pas vivre la vie nous, selon propre volonté pas nous, mais pour nous arriver vivre selon volonté bon Dieu. Nous devons être cette bonne terre qui accueille la parole de Dieu. Mais parole bon Dieu, que nous finissons accueillir, que nous devons mettre en pratique, qui ça nous devons faire encore, nous devons partager, nous devons proclamer, nous devons annoncer.
C'est peut-être ça, avant chaque l'évangile, avant nous écouter parole bon Dieu, nous faisons croix, souffrons nous. Nous demandons bon Dieu, bon nous intelligence pour nous comprendre parole là. Nous faisons croix sous bouche nous pour que parole ça que nous comprenons pour nous capables proclamer, pour nous capables annoncer, pour nous capables prêcher. Et nous faisons croix sous cœur nous pour que nous pas seulement entendre, nous pas seulement prêcher, mais pour nous accueillir parole là, pour nous vivre parole là. À la suite de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, nous tous nous appelons pour nous tourner des semeurs. Moun kap simé graine, moun kap simé parole bon Dieu, moun kap prêcher bonne nouvelle, moun kap prêcher l'évangile. À qui est ce monde que nous devons prêcher? À qui monde que nous devons annoncer parole? Est-ce que nous devons choisir public que nous annoncer parole? Non. Est-ce que nous devons dire, ah, moun sa la p'tan de parole là, mais un tel lui-même li pa p'tan de parole là? Non. Ce n'est pas souci pas nous, non. Ce n'est pas zafè pas nous, non. Mission nous, ce n'est pas dire que tel moun a p'tan de parole là, tel moun pa p'tan de parole là, non. Mission nous, c'est prêcher. Mission nous, c'est annoncer l'évangile là. Mission nous, c'est simen. Travail pour t'en de parole là, pour coûter parole là, pour bail disposition pour accueillir parole là. C'est pas travail pas nous, c'est travail l'Esprit Saint. Mais mission pas nous, travail pas nous, c'est témoigner, c'est bail bon exemple, c'est vivre bien à tout le monde, c'est annoncer l'évangile là à temps et à contre-temps, non seulement dans parole nous, mais dans témoignage la vie nous, dans exemple nous. Nous pas connaît qui moun kap koute parole là. L'Esprit Saint li occupé de ça. Me rappeler gen yon dame qui racontait moi pendant confinement li t'a partagé prière que nous fait chaque soir sur radio télé Alta Grâce. Mais non partager, l'a choisi moun pour partager, il dit ah un tel m'ka partager là avec lui, oui, c'est un catholique. Mais un tel ah, il pas intéressé à ça fait bon Dieu, m'pa partager. Mais gen un jour, il décide, il choisit pour partager prière avec lui. Et puis ça passé après quelques temps. C'est moun sa li pa décidé partager avec li hein. Kap dil sa kap passé l'église là. Kap racontel sa kap passé l'église là. Et kap parler de la prière, kap dil ki sa bon Dieu fait pour lui à travers prière là. Frères et sœurs bien-aimés, annonçons la parole de Dieu. Prêchons l'évangile. Semer semence bonne nouvelle là. Tout partout côté nous y est, tout partout côté nous passé. N'a demandé bon Dieu, frères et sœurs bien-aimés, dans la célébration ça, bon nous la grâce pour nous accueillir parole là. La grâce pour nous vivre parole là. La grâce pour parole là, pour tes fruits dans la vie nous. N'a demandé le tout pour le faire de nous, à sa suite, des semeurs, des missionnaires, des témoins capables annoncer, qu'a prêcher l'évangile là, tout partout. C'est pour bon Dieu, bon nous la grâce, pour nous vivre selon volonté, et c'est pour que l'Esprit Saint agisse en nous, pour que à travers nous-mêmes, à travers témoignage nous, il y ait plus de monde qui écoute les paroles là, il y ait plus de monde qui croit, il y ait plus de monde qui convertit, il y ait plus de monde qui sauve. Amen.
Ensemble, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père, au très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, ô plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, ô plus haut. Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, ô plus haut des cieux, ô plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe.
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, son auxiliaire du Congé et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts qu'on a recommandés à nos prières, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, sans fin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur toutes les personnes qui ont recommandé cette messe, les personnes qui célèbrent leur anniversaire. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur nos collaborateurs, sur les bienfaiteurs de la paroisse. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur les personnes en difficulté, sur les malades, sur toutes les personnes qui se recommandent à nos humbles prières, sur les personnes qui prient avec nous, qui participent à cette célébration à travers la radio, la télévision, les réseaux sociaux. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur chacun de nous. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame d'Altagrâce et du Perpétuel Secours, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus-Christ, où m'aimons ton bon Dieu, qui où était péché sous tes yeux, t'en prie pitié pour nous. Jésus-Christ, où m'aimons ton bon Dieu, qui où était péché sous tes yeux. Jésus-Christ, où m'aimons ton bon Dieu, qui où était péché sous tes yeux, il fait que nous poser. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sois pas l'homme au bord du chemin, les
oiseaux mangeront tout ton grain. Ne sois pas le sol dur des ravins. Ton bonheur séchera dès demain. Permets-nous, t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Alta Grâce, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Saint-Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Jésus, j'ai confiance en toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous voulons dire merci. Merci aux caméramans, aux techniciens de RTA, merci aux animateurs, animatrices, merci à tous, merci à chacun, merci à Daddy qui est toujours là, à Frère le Maître. N'a pas rappelé nous, deuxième Messlan, l'Ipral célébré dans quelques instants, et après deuxième Messlan, n'a pas gagné adoration du Saint-Sacrement. Jeudi, c'est mercredi, chaque mercredi, et programme et assoyant, c'est prière intercession. Donc, on est chaque soir, nous gagnons la prière, nous terminons journée nous avec la prière, et sur Radio Télé Alta Grâce, nous sommes capables de participer dans la prière Sayo qui fait chaque soir. Chaque matin, nous gagnons célébration, pendant toute journée, nous gagnons activité de prière, et nous terminons journée nous avec bon Dieu, avec la prière. Assoyant, c'est prière d'intercession qui a commencé à partir de 8 heures du soir. Nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à tout le monde qui a célébré un événement heureux dans la vie. Nous avons souhaité un joyeux anniversaire à Anne-Marie Désir, à Caroline Lachaud, joyeux anniversaire à Marie-Thérèse Gay, à Magali Alcinor et servante, à
de la Vierge d'Altagrâce, anniversaire à Médèse, la branche qui gagnait 90 ans. Nous dit bon Dieu merci ensemble avec lui et pour lui. Joyeux anniversaire à Lumène Léroni. Joyeux anniversaire à Serge Thermidor, à Dienouz Berthaud, à Martine Désir. Joyeux anniversaire à Madame Danielle Zamor Valbrun. Il y a tout le monde qui a célébré un événement heureux dans la vie. Nous demandons pour mon Dieu vider grâce et bénédiction sous nous en abondance. Nous demandons mon Dieu aider nous pour nous rester avec lui, pour parole lui en grandir et porter fruit dans la vie nous et pour nous partager parole lui by tout le monde. Bonne journée, bon travail, frères et sœurs bien-aimés. Merci, mon Père. Père. Merci. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu notre Père. En toi, Seigneur, point de ténèbres. Ton esprit est